Et bonjour à tous mes chers casual gamers et casual gameuses, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous et à toutes dans le bonus de Grim Legends de Le Chant du Cygne Noir édition collector. Vous l'attendiez tous, hein? Mince, excusez-moi. Donc je disais, vous l'attendiez tous, hein? Une princesse et un dragon. Allez, je vous fais pas patienter plus longtemps, on va le faire en mode normal, c'est parti. Raconte-nous une histoire, grand-père. Quelle histoire voulez-vous? Une histoire qui fait peur, parce que j'ai 6 ans et demi, et qui soit héroïque aussi, avec un dragon, une princesse. Un dragon, d'accord. Cela s'est passé il y a bien longtemps. Waouh! Oh, ça tremble. C'est mon premier jour comme shérif. Et il y a déjà un dragon au portail. Waouh! C'est beau. Oh, une petite souris. Bonjour, toi. Eh, yes, oui, le shérif. Alors, attention à toi. Fais attention à ce que tu fais. Tiens, je vais devoir commencer par réparer cette poignée, autrement elle va se casser. Alors là, il y a un truc. Ça a l'air d'être une énigme. Là, il manque encore quelque chose. Mais qu'est-ce que vous avez tous à fermer vos portes, là? Le portail. Oh, ça ne bouge pas, trop rouillé. J'ai toujours dit que c'était humide ici. Non. Eh bien, eh bien. Pas de fromage. Ah, les souris sont en grève. D'accord. Objectif atteint. Shérif, au secours! Je suis pris au piège! Ça sent vraiment mauvais ici. On va lui frotter là-dedans. Il a une carie, je peux peut-être m'en servir contre lui. Oh non! On va s'attaquer à la... Bonjour. On va vous mettre du dentifrice, monsieur. Alors, vous voulez du Colgate? Hop! Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, moi, je veux... ça. Je veux ça, ça. Ça. Un petit biscuit. Il me manque encore un petit biscuit. Devrait pas être loin. Et apparemment une sorte de crème. Oui. Et le petit biscuit. Ah, attendez, il manque des trucs. Ah, il manque ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Et de 1. Et de 2. Le troisième doit être quelque part par là. Et de 3. Bingo! On a récupéré quoi? Un jeton avec des friandises. Tout ça m'a l'air hyper bon. On va le poser là. On va rentrer dans la boulangerie. Dans une cause d'énigme. Il manque encore un jeton. Je vais faire un rapport sur une minute. C'est moi le shérif. Ouais, j'ai pas besoin de me faire des rapports à moi-même. Eh, tu retournes au travail, toi. Hein, tu retournes au travail. Un maillet, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Ah, attendez. Non. Boucher puis pomper jusqu'au pop pour faire fuir les écureuils. Ah, j'ai la burette d'huile. Excusez-moi, j'avais pas tilté. Hop. Génial. Peut-être que je peux me débarrasser du dragon en moulant. Une vis. Et on a récupéré un jeton. On va immédiatement poser ici. Trier les bonbons en les faisant glisser sur les... Oh non, c'est quoi cette énigme? Alors attendez. Hop. Mon dieu, c'est quoi? Tac, tac.
Ah, en fait, ça va. C'est facile. Enfin, c'était simple, on va dire. Alors, du coup, on va mettre des bonbons. Non. Peut-être lui mettre des bonbons là. Génial, objectif atteint. Merci, maintenant allez chercher une arme plus appropriée dans la galerie des penseurs. Merci, on va aller là. Alors, faites tourner les pièces de façon à reconstituer une image. Oh non. C'est quoi cette énigme? Alors attendez, est-ce qu'il y a des pièces qui ne bougent pas? Ça pourrait m'être utile en fait. Non, parce que là du coup je ne sais pas du tout dans quel sens je dois les mettre. Attendez. Très bien, ça me paraît logique. Et là, du coup, plus du tout. Non plus. Comme ceci. Alors, ça veut dire que... non plus. Attendez, je cherche la logique. Pas mal. Ça a l'air pas mal du tout pour l'instant. On va y arriver tout doucement, vous inquiétez pas. Comme ceci. Oh, il tient. D'accord, il tient une loupe. Amusant. Hop. On va lui placer ça là. Et toc. Ça a l'air d'être bon. Apparemment, il me dit qu'il y a une image qui est toujours un peu... Pourtant, tout... Ah, attendez. Bah oui, forcément, si on lui met pas sa tête correctement. La galerie des penseurs. Oh, allez, shérif. Ça va, mais je survivrai pas. Oh, il sort des pieds. Oh, purée. Il essaie de l'écraser, là. Non, mais sérieusement. Ok, encore une énigme. Hop, ninja. On récupère des boulons. Des boubous et des boulons. Alors, attendez. Tac. Comme ceci. Il nous reste encore... Alors, apparemment... Il nous reste encore un tuyau et une grosse plaque. Un tuyau et une grosse plaque. Comme ceci. Et un tuyau. Trouvé. Et il me manque toujours deux petits morceaux. Un et... Et deux. Bidou bidou bidou. On a récupéré une pompe à pied. Très bien. Oh. Arme secrète, si seulement je pouvais faire sauter le couvercle. Non. Apparemment, non, ça va pas marcher comme ça. Bon, en tout cas, on va donner le fromage à la petite souris. Donc, si je veux mouler un truc, je peux. Ah, attendez.
Ok. Ah, attendez. Génial, une dent. Apparemment, on va pas en avoir besoin ici. Alors, la galerie des penseurs. Apparemment, j'ai quelque chose à faire ici. Hop! Et voilà. On a récupéré des grains de poivre. Oh, oh non! Ça va être immonde. Non, j'aurais besoin de ceci ailleurs. Ah, pardon. Ok, donc on va... Voilà, on a récupéré des granulés de poivre. Du poivre moulu, quoi. Donc, notre poivre moulu, on va le mettre là. Attention. Pouh! Oh, nouvel objectif. On va récupérer des petites fleurs. Des petites fleurs. Des petites fleurs de partout. Et on a un plumeau. D'accord. Je sais bien que t'aimes bien plumer les gens, mais là, c'était pas drôle. Hein? On va le chatouiller. Nickel. Merci, j'étais en train d'ajuster les miroirs quand le dragon a attaqué. Cela vous dérangerait-il de réparer ça? Merci, fragment de miroir. Très bien. Ces fleurs ont besoin de beaucoup plus de soleil. Alors, attendez. En fait, parce que... Du coup, il faut éclairer toutes les fleurs. Ça va pas être évident. Ok. Ok. Non, ça marche pas. Alors, attendez, il va falloir qu'on éclaire du coup tout. Alors, non. Non plus. Non plus. Ok. Waouh, cette énigme me paraît un petit peu plus compliquée que prévu. Alors attendez, je cherche un petit peu, je vous reprends. Et voilà mes chers amis, j'ai réussi. Donc en fait, le miroir a été à placer là. Et après du coup, il fallait suivre une sorte de petit chemin. Ça fait une forme symétrique. Du coup, hop, on a récupéré des bombes à eau. Et encore une scène d'objets. Je me disais bien qu'il y avait des trucs à récupérer. Alors attendez, il y a aussi des morceaux de peau. Ah ah, tac tac tac, ninja! Et enfin, il me reste encore un petit bout à récupérer qui est ici. Et voilà! Un élément de portail. Ce qui va être, je pense, utile. Enfin, j'espère. Un moment ou un autre. Alors, tout d'abord, on va utiliser les bombes à eau. Et on va mettre l'élément de portail. Oh! Oh mon dieu, cette énigme! Cette énigme! Qu'est-ce que je déteste ce genre d'énigme, mes chers amis. Alors, attendez. On va placer ça comme ça. Du coup,
Si je place ça comme ça... Oh, ça va, c'était pas très très dur. Ouais, j'ai sauvé les petits esprits. Wouhou. Nos ennuis n'étaient pas terminés. Il nous fallait une aide humaine. Et n'oubliez pas que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je sais que tu le sais. Une minute. Qu'est-ce que c'est? Un dragon? Waouh! Oui, c'est un dragon! Il nous a attaqués! Ma sœur, mon temps sous forme humaine se termine. Tu dois les aider. Waouh! Coin, coin! Nouvel objectif! Aider les esprits à se débarrasser du dragon. L'un de mes frères était censé couper du bois, tant pis. La fosse à goudron a une odeur terrible, mais elle pourrait servir plus tard. Ok, alors je sais pas où j'en suis. Mais ça veut peut-être dire que si j'ai terminé le jeu en un épisode, vous aurez le tout en un épisode. Ah, bien entendu, je ne m'amuserai pas à vous faire deux épisodes, ce qui serait totalement inutile. C'est peut-être les abeilles les plus agressives que j'ai jamais vues. Ok. Arbre à fée. Oh mon dieu! Il faut que vous nous aidiez. Mais d'abord, nous devrions secourir les habitants de la ville Racine. De la poussière féerique mélangée à du sable. Comment les séparer? Bah écoutez, d'abord on va regarder le dragon. Le dragon ne va pas laisser prendre la pierre comme ça. On pourrait aussi aller à la vallée du visage de pierre. En pierre. D'abord on va faire cette scène. Comme s'ils étaient doués à se cacher. Oh mais c'est quoi ça? Vous êtes trop facile à trouver, mes chers, là. 10. Il m'en manque encore 2. Je suis sûr ils ne sont pas loin. Un. Et il me manque encore le dernier. Le dernier qui doit être... Là. Les esprits disent qu'il existe une technique ancienne pour vaincre un dragon. Mais elle s'est perdue depuis bien longtemps. Ceci est tout ce qu'il en reste. Amulette de dragon. D'accord. Eh ben écoutez, on va avancer. On va aller à la vallée du visage. Hé, hey, je ne vous connais pas. Présentez-vous. Vous n'êtes pas du genre bavard, hein? J'ai dû avoir une absence. Je ne me rappelle pas grand-chose ces deux dernières décennies. Je suis désolé, je ne peux pas laisser entrer les étrangers pour la sécurité de la petite princesse. Ok, il a perdu la mémoire. On va devoir l'aider. Alors, attendez. Je me dis quand même que, au vu du décor, il y aurait peut-être encore des serpents de cachés, mais s'il y avait vraiment encore des serpents de cachés, je pense qu'on en aurait trouvé dès le début. Et là, malheureusement, non. Ok. Un dragon qui ne crache pas de feu. Ok,
Eh ben écoutez, au vu du contenu qu'on a déjà, je pense que, et au vu de ce qu'il nous reste à faire, parce que vu qu'on va devoir passer le mur, on va avoir, je pense, assez de contenu pour faire un deuxième épisode bonus. Alors du coup, je vais vous laisser là, et je vous remercie à tous et à toutes de m'avoir regardé, et je vous dis à très vite pour la suite et la fin de cette aventure. Portez-vous bien, gros bisous, ciao, bye bye.